with that scepter. Oh, bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Fnarkpank pour un nouvel épisode de Styx. Good. Now I just gotta wait for the pilot to hear about the new flight plan. So much for the stealthy approach. Bon. Un faux usage de faux. J'ai merdé. Ah! Le Terminator. Il est pas très très content de mourir. C'est un problème. Donc, nouvel épisode de Styx. J'avais avancé un peu au-delà de cette zone-là. J'aimerais juste le faire avec un peu de clémence et éviter de tuer ce premier garde. Mais pour ça, il faut pas que je merde. Captain, I came to see if a change of course has been requested. Just get on with it and stop bothering me. C'est sympa. Alors, je vous informe. I'll take the new flight plan to the pilot. Okay, formidable. Pretty good at counterfeiting. Hurry and go tell your master. Formidable. Alors, j'ai fait les deux versions. Version où j'ai tué le capitaine en fait. J'ai pas perdu de temps. Oh, mais t'es sérieux? Oui, enfin oui, si je longe pas les murs. C'est embêtant! D'une feuille, j'en kiffe! Génial! We're in some real pretty shit now. Listen, I may be digitized, but I'm not stupid. What's your excuse? Chaussettes. Je joue sans chaussettes et je suis en train de manger des petits gâteaux. Voilà, c'est ça mon excuse. C'est une bonne excuse ou pas? Bon appétit. Good. Now I just gotta wait for the pilot to hear about the new flight plan. Captain, I came to see if a change of course has been requested. Just get on with it and stop bothering me. Oh, the captain has changed his mind again. I'll take the new flight plan. Looks like I'm pretty good at counterfeiting. Hurry and go tell your master. I'm waiting. D'aller en bas. Ah oui, c'est parce qu'il fallait que j'attende qu'ils finissent de détourner le truc. Ok. Good. Galopons. Galopons, petit galopin. Non. Je crois que... Ah si, il y a quelqu'un là. C'est vrai que c'était des emmerdes. Ok. Right on target. Then again, you'd have to be as blind as a roby to miss a target of that size. Wait. It's in these moments of wonder that we realize how great Mother Nature is and how small we are. Although in my case, there is no shortness of opportunities to appreciate my shortness. See what I did there? Et voilà, on y est. C'est parti. À partir de là, c'est les vraies emmerdes. Et on est lancé. Ouais. Alors oui, attendez, je ne sais plus comment on joue au jeu idéal, donc c'est toujours très embêtant. Ça, c'est les power. Ok, ça, c'est la galipette cendrée. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme bouton? Voilà, ça m'intéresse énormément, par exemple. Ça, surtout.
Ouais, donc tout de suite aller régler d'ailleurs ces deux couillons là-bas. Ils sont deux. Voilà, comment il faut le reprendre en main tout de suite, c'est quand même très très fatigant. A little green hot sauce is not bad. For me at least. J'ai rangé un gobelin dedans. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais bouge, connard! What the? Je crois que j'ai été repéré. Ombre 0, alerte déclenchée. Oh le bâtard! Un peu long pour me tuer quand même. Bivac. Kiwan. Salut. C'est compliqué de jouer à ce jeu, de manger des petits gâteaux en même temps. Je promets, c'est pas évident. Que je me rappelle plus comment je balance mes fléchettes empoisonnées. Vous vous rendez compte? Ça va faire quoi, deux semaines que j'ai pas joué à ce jeu? Je ne sais déjà plus comment on balance mes fléchettes empoisonnées. Ouais, sur Y, je suppose. On va peut-être. Non, c'est pas Y. À partir de cet épisode, hein, j'ai fait un épisode en clémence, hein, j'ai été assez sympa. Là, à partir de maintenant, c'est fini. Hein. Là, c'est fini. Hein. Je nettoie tout le monde, hein. J'en ai rien à foutre. Ils sont tous que des connards, des humains, tout ça, tout ça. Personne n'aime les humains. Pas même les humains. Ils ne s'aiment pas entre eux, c'est pour ça qu'ils sont à la guerre. Enfin, j'attends quand même, ça me fait toujours plaisir, c'est gratuit. Ouais. Tac. La loupiote, c'est le mal aussi. Alors, hop, ramasse ça. Il y a un petit crochet quelque part, il est là, je crois. Hop, donne-moi le crochet. Crochet, crochet. Tu croches, capitaine, crochet. Oui, il faut rester appuyé. Allez, pour l'instant, je sais rien fabriquer. J'aurais bien fait un retour base, d'ailleurs, j'ai découvert comment on faisait le retour base. Donc, à la limite, j'avoue, j'aurais pu le faire. Mais ouais, ça serait bien quoi. Ça serait confort. Ça m'agresse les yeux, ça, enlève-moi ça. Ça agresse les yeux. Bon, cette porte est verrouillée. Et je crois que l'autre n'est pas verrouillée. Je ne sais plus. Cette porte-là est verrouillée aussi. Bon bah. Je me rappelle plus que j'étais obligé de déverrouiller les deux. Il y a peut-être moyen d'économiser ce crochet. Well, these wouldn't be carnage guys, would they? They got deserter written all over them. That's it. When you see their boss's ugly mug, you can't blame them. Now, speaking of old High Pockets Haledrin, I wonder what she'd give me for the insignia of these three deserters.
Only slightly used and a little bloodstained. Ah, je peux pas passer par là. Mais attends, c'est con. Si je peux pas passer par là... Ah, ok. Nice, désolé, je l'avais pas vu. Quoi qu'il faut que je mette derrière et que je fasse... Du proche. Ah, je suis full. Ok, on se refait. Ces trucs, et ça c'est quoi? C'est des fioles de vie, ouais, mais je suis full life. Je suis full de chez full envie. Ok, il reste une passe ici pour emmeubler quelqu'un, si jamais... si jamais une envie m'en prenait. Looks like someone else is hiding corpses in cupboards. Small world. Moi qui l'ai mis là. Y aurait-il un autre assassin à bord?
sens la grosse paix d'un homme ou pas? Je les ai tous liquidés. Des sacs. Comme ceux qu'ils sont. Des sacs à merde. Ouais, c'est parfait, j'avais besoin de ça. Qu'est-ce que ça fait? Ah oui, c'est piégé. Piège un élément. Le petit tonneau à faire rouler en bas. Ok. Crochet nécessaire. Merde. Il faut vraiment beaucoup de crochets dans ce jeu. Au secours. Ramasse. Hein? C'est pas du fer ça? Ah non, c'est pas du fer. Okay, c'est autre chose que du fer. On a quoi? De bouteilles. Et ça, on va, c'est solution acide. Pas utile. Pas utile tout de suite, ça pourrait le devenir, mais ça ne l'est pas. Bien vite descendre le descendre, mais je sens que c'est pas forcément une bonne idée. Alors je vous dis tout de suite, je ne sais pas où je vais. Mais croyez-moi, j'y vais. Arrête de bugger mec, tu m'énerves. Tu bugs trop. Normalement, j'ai déjà fumé les deux gardes du bas. Ça fait qu'on est pas trop mal. Une table de craft, je ne peux pas crafter, il me faudrait plus de minerais. Minerais, j'en ai vu. Minerais, j'en ai vu un par là déjà. J'ai mis un frère à faire, qu'est-ce qu'il m'en fout. Hein. Minerai fer ici. Nice. Il y a un monde là-dessous. Bonjour. Ah, y a rien d'autre que juste un petit monde, mais un monde. Un monde quand même. Un monde pour un gobelin, mais. Pas de racisme. C'est parce que c'est un monde juste pour un gobelin que. Ce n'est pas un monde. Ok. Très bien. Donc j'ai liquidé le chevalier. Ici, je crois qu'il n'y a pas d'ingrédients à cette hauteur-là. Si, il y en a là. Hop là, regarde-moi ça. Un autre petit minerai de fer. Il y a même du supplément. Il y a même du supplément. C'est pas bien. C'est pas trop beau ça? Allez, magnifique. Ah oui, et la solution à... Bien. Et la solution à site sert à faire disparaître des cadavres. C'est vrai. Ah, j'y pense. Hop là, ça c'est pour Bibi. Bibi vous remercie bien. Verrouillé. Non. Ouvre-moi ça. Ouvrons les portes. D'ailleurs, mets-nous cette porte.
Ok, donc moi je viens de là. Parfait. Je vais pas monter tout de suite, j'ai pas nettoyé tous les étages inférieurs. Pour l'instant, monter ça m'intéresse pas. Je vais montrer quand j'aurai liquidé tout le monde. Puisque vous avez pu noter qu'on fera un 0 survivant. Sport toxique. Très bien. Personne ne survivra à notre passage, clairement. On va faucher tout le monde. Oh, si c'est bon, je vais liquider tout le monde. Je suis là-bas, il va falloir que je liquide proprement. Oula. Ça fait déjà un peu plus propre, non? Avec tous ces humains qui sentent mauvais, là, au milieu, là. On sent que c'est déjà beaucoup plus propre. Ouais, éteins-moi ça. Là, nous pourrions effectivement envisager de s'inviter dans les hauteurs. Mais j'ai pas visité ce bâtiment. Je me voudrais de ne pas saluer tout le monde. Quelqu'un ici. Ok, oui. Et en plus de ça, il faut que je vole ce type. And that makes one. So you're called Carvo Atona? You're bringing dishonor on the name, dude. Je me demande à quoi ça sert d'assassiner les gens silencieusement des fois. Bon, celui-là étant réglé aussi. Toujours pas déclenché d'alerte, hein. Dans mon malheur, quel bonheur. Veilleur à la baffe de gobelin. Je vous jure, j'ai essayé pour vous. Garantie avec la baffe de gobelin, c'est meilleur. Alors. Viens ici, mon petit bonhomme. Pouette, 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 pouette. Pouette, 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 pouette. Voilà, ça s'est rangé. Ranger proprement les choses. Ouais, petit bonhomme. On se motive, on se motive. À fond, à fond.
ne bouge pas. Je peux pas l'assassiner de là. Oh, ça c'est chiant un peu. Ça ici, voilà. Travail déjà, c'est déjà plus propre. J'ai moins de cons au milieu. Ça, je veux bien prendre, merci. Un signe du respect. Je le prends. Verrouillé ou pas? Non, rien. À partir de là, je suppose que ça commence à être vers l'infini au-delà. C'est exactement ça. Fait penser que... Excusez-moi, du coup je fais un gros demi-tour. C'est réglé. Il y a des salles que j'ai pas fait, il y a des trucs que j'ai pas fait. Ici. Bon déjà, ouvre-moi cette porte. Il y a pas de raison. Et chez nous après tout. J'ai pas nettoyé tout ce navire. Parce qu'il y a toutes les hauteurs à nettoyer. J'ai fait tous les rez-de-chaussée, mais j'ai fait aucun étage ou presque. Ça peut m'intéresser. Ce n'est peut-être rien après tout. C'est vrai que le cadavre d'un collègue, après tout, c'est sûrement rien. Je voudrais bien que t'ailles un peu moins haut. Moins haut. Oh, crève. Ici plus tard. Do you know why we're going to Coringar? There's going to be a get together with some very important people, a diplomatic summit. There'll be human ambassadors. On rappelle de ces deux-là. Ah ouais, parce que j'ai déjà fait une partie du niveau sans vous donc une première fois. Je sais plus si je l'ai dit, mais je vous le redis, que je suis concentré sur ce que je fais. Et du coup, ouais, je connais un petit peu une partie du bâtiment, dont ces deux gars.
I saw her. Je connais bien. Ouais, ils appellent Jackie et Michel dans le milieu. C'est des hommes charmants. In a few seconds, that weakling RCD. Ah, you're not so hoity-toity about me and my gossip now, eh? Regarde ici. J'ai ouvert la porte, donc je suppose que tout le monde est décédé d'un accident tragique. Il y a clairement une torche allumée. Je suis pas venu ici. Voilà. What the? Starive. Starive toi. Starive, tu pètes des plombs pourquoi toi? Eh, hey, calme-toi. Oh le mec, je suis pété en plomb. Il a vu une armoire. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, c'est une armoire. Mais elle n'est pas en chaîne. Elle est en tech. Oh. Il y a forcément un assassin gobelin à bord qui change les armoires. Ah. Petit fourbe. Non. Alors. Ah. Du confort. Un deuxième, ça fait plaisir. Enfin, le premier, c'est le minimum vital. C'est l'urgence. Le deuxième, c'est la sécurité. Le troisième, c'est le confort. Ah, excusez-moi, j'ai oublié d'épicer votre plat. Je suis vraiment navré. C'est un signe du voleur? Merci mon poulet. Number two, you are Garrett? Where'd you steal that one from? Ok, range-moi ce truc. Parfait. Oh, j'ai vraiment un gobelin trop sympa. Coupe-moi ça. Putain, l'éclairage public, ça agresse les yeux. Ça empêche ma vision d'ombre de fonctionner paisiblement. Ah, c'est ce que je me disais. Ça, c'est de la bonne tôle. Du coup, je ne sais plus combien j'ai de minerais. Si j'ai de quoi faire mon troisième, je le ferai bien, quoi. Prochain ramassé, formidable. C'est plutôt formidable ça. J'aime bien les crochets. On n'en a jamais de trop. Je pense que j'ai pas de quoi faire un mec qui n'a pas de tête. Je suis désolé, hein. Je descends, je vérifie si je peux refaire mon crochet. Il était où d'ailleurs ce machin pour faire mon crochet? C'était par là je crois. Ah c'était ça. Pas pour faire mon crochet, pour faire ma fléchette. Je suis à 2 sur... il m'en faut 4 pour le faire, donc j'en ai que 2. Ok, bon, attendez, on va gagner un peu de temps. Tac, 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 tac. Ouais, super musique. Oh là là, oh c'est sale, ça tâche, oh c'est dégueulasse. Bouge pas. Reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille. Eh, hey, c'est pas qui je suis moi, calme-toi. Allez, vas-y. Un petit bonhomme.
Allons nous promener. Ouais, il y a des meubles ici. Il y a déjà quelqu'un. Vous auriez pas une deuxième place? Voilà, il y a un peu de place juste là. Et l'autre, je pense qu'ils le verront pas. Je vais pas m'attarder dessus, je pense que personne ne le verra. Cette porte est fermée. Ce qui n'est pas normal. Bizarre. À tout moment, ça peut mal tourner. Alors, devenir invisible, ce sera pas possible. Pour faire ça, une petite fiole d'ambre. Ça, à tout moment, paf, je peux devenir invisible si si le besoin se refait ressentir. Très bien. Je peux grimper, mais ça m'apporterait rien. Là, il y a... il y a un sport toxique à péta. À piquer. Porte ouverte. C'est curieux, ça. Oh, oui, c'est le capitaine de la barre. Ah, et ça c'est pour diluer les gens. Non. Non, c'est pas ce que je voulais. Je voulais te diluer. Comment s'il te plaît. Bah oui, c'est ce machin. Comment j'utilise déjà? C'est plus moi. Ah oui, d'accord. C'est comme si je voulais le lancer. Ok, d'accord. D'ailleurs, j'ai plus de sable. À y penser. Pas une ressource fort coûteuse, mais. Espoir toxique. Petite ligne de basse énervée. Tranquille. Tranquillement vénère. Normalement, on est à peu près. On est propre, je crois, à tous les étages, à peu près. Enfin, les étages, dans tous les étages inférieurs. Je crois qu'on est à peu près propre. Ce que j'aimerais faire avant de faire une bavure, c'est d'aller voler le mec à 22 mètres, quoi. Au moins, il serait fait. Je prendrais pas le risque de faire une connerie. Oh! Mais c'est pas sympa ça pour les gobelins, les mecs. Soyez cool avec votre gobelin et votre gobelin sera cool avec vous. Je fais un tour, hein. Je suis à la recherche d'items. Oh, je peux déjà descendre voler le sceptre. Oh. C'est tellement tentant. D'accord, il est avec le mec du carnage. Par contre, c'est volé normalement le sceptre. Je suis pas censé assassiner l'ambassadeur. Ça, c'est problématique. Il faut que je passe par là. Faut que je passe par là, mais je suis pas chaud là. Je suis pas chaud. Ils sont campés sur le truc.
non, c'est pas lui que je dois voler le sceptre. Ok. Le sceptre est derrière lui. Ok. Pff. Je dis sinon, allez, franchement, ils sont chauds là. Leur mission était énormément chaude. Tuer ce mec. Voilà. What the? J'ai oublié de le voler. Est-ce qu'il est parti ce mec? Il est parti ça comme. Non, c'était bien, il faisait beau, tout le monde va bien. C'était sûrement le vent. Ok. Oh, les gens qui le vivent bien, écoute, hein, je le vis bien aussi. Hein. Ah, j'aurais pu passer par la fenêtre aussi, tiens. On découvre des choses. Une porte fermée là-bas. J'aime pas très beaucoup ça. Ok. On est chaud. On est un gobelin. On est énervé. Ok. Oh. Ah, intéressant ici. Ça. Ah oui, non, je suis plein de ça. Ah, c'est très bien, regarde. Le mec du carnage, là. Vire-le. Voilà, je l'aime pas. J'aime pas ces mecs-là. Il avait bougé ce con, j'avais pas fait gaffe. Bon. Moi je l'aurais pas tué quoi. Ah bah si, en fait je l'ai tué. C'est moi qui ai tué ce mec? Ah si, c'est moi qui ai tué ce mec. On récupère ça. Ah j'ai cru qu'on était dans la salle suivante, mais non, on est encore toujours dans la salle d'avant. Excusez-moi, excusez-moi. Non, je suis pas concentré, hein. Je sais pas ce que je fais. Je suis dissipé. C'est pas bien. Alors. Ouais, de la vie, mais j'en ai pas besoin de la vie. Oh, la vie, c'est vraiment le pire truc que vous pouvez me donner maintenant, quoi. Parce que je prends pas de dégâts, je sonne pas d'alarme. Donc, une alarme, j'accepte de mourir plutôt que de sonner cette alarme concrètement.
Il m'en manque un. Un caillou ferreux. Il y a des merdes partout là. Il y a un truc qui va m'intéresser là-dedans. Une pioche. Il y avait quoi ici? Ah, je prends ça. Regarde, le mec a ouvert la porte, il est parti en pause. Il t'a même pas prévenu. T'es dégoûté, chevalier, hein? Ah merde, Billy, il a droit à une pause et pas moi. Ah ouais. Oh, par contre, les textures sont dégueulasses dans le coffre. C'est magique. Ouais. Bon, il n'y a pas grand monde qui a réagi à ton meurtre, hein. Je suppose qu'il doit pas rester grand monde de vivants dans le coin. C'est assez cocasse, ça, cette histoire. Hein. Ouvre-moi cette porte. Porte fermée, ça me stresse. Ah, on est juste au-dessus de là où j'ai commencé. Ok, d'accord, très intéressant. S'il en est, s'il en est. On pouvait faire un petit meurtre entre amis, si on le voulait. Voilà, ma deuxième fléchette. Sécurité, tout ça, vous connaissez. Ouais, je décroche les chandeliers parce que je suis un connard. Voilà, et alors qu'est-ce que tu vas faire? Je suis une Kaira, moi, frère. Je m'en fous, je te dis. Je suis un dingue dans ma tête. Hop. Voilà. Est-ce qu'on peut grimper à partir de là? Je vais nettoyer cette salle. Oui, cette salle a été nettoyée. Tout à fait. Comme un professionnel d'ailleurs. Eyes like a professional. Ces cabanes là avec les la cloche là, je l'ai fait normalement. Erreur de ma part. On peut monter là-haut visiblement parce qu'on ne monte pas en bas. On va check. Pièce du capitaine, j'ouvre le capitaine en deux, il n'y a plus rien à faire ici. J'ai l'impression qu'il nous reste vraiment plus qu'une grande salle ou deux et le sceptre à récupérer. Ce qui est tout à fait possible et réalisable. Allons-y. Cours. C'est très labyrinthique, hein, j'avoue, comme jeu. C'est ouf à quel point je trouve ça labyrinthique, c'est vraiment. Ouh là là, on passe par là. Ouais, y'a quelqu'un qui a tué plein de gens en bas. C'est pas cool, hein. C'est pas sympa. Je tiens à le dire, hein. Et là, normalement, il faut que je rochette. Ouais, c'est ça. Ce qui est hors de question, puisqu'on sait qu'on peut, passer par ailleurs. Là, par exemple, on peut ouvrir. D'ailleurs, j'ai toujours pas fumé les deux autres cons dans leur salle d'abrutis, là. Ouais, y'a deux cons que j'ai pas fait encore. Attendez, on va aller chercher deux cons. Regardez.
Ouais, ça m'intéresse pas tout de suite, ça. Ça m'intéresse pas tout de suite. Ce qui m'intéresse, c'est... C'est quelle salle, déjà? C'est celle-là. Cette salle-là, on s'en fout. Je crois que c'est sur le bateau de gauche, là. On passe par là. Cette pièce-là que j'ai pas faite. Voilà. Attends, je meurs tellement d'envie de les tuer tous les deux, là. Voilà, ils sont là. Regardez-les. C'est pas beau, ça? C'est pas beau, ça? C'est pas beau, l'amitié. Hein. Je sais pas ce qu'il vous faut. Allez! Tu sors ou je te sors? Allez, salut mon gars! Dégage! Pourquoi les avoir tués? C'était pas nécessaire! Je sais. Et vous savez que j'aime bien nettoyer tout le monde. Je l'ai déjà dit. Moi, le nettoyage, c'est vraiment ma cam. J'aime quand c'est clean. Quand on n'a pas de questions à se poser, il faut repasser derrière toi pour nettoyer. Non. Chez moi, c'est clean. Là, j'arrive sur le haut pont. Là, normalement, tout le monde est mort ici. Il n'y a pas de souci. C'est parfait. C'est parfait. Tout a été merveilleusement nettoyé. Si le monsieur, là, il est mort... ici j'ai piqué, enfin j'ai tué tout le monde, donc ça c'est bon, c'est valide. Le sceptre n'est pas récupérable, je crois. Voilà, en faisant toc toc. So now what? I'm gonna crash in singing happy birthday. Sneaking into the little trap door above the entrance is more my style. Complètement d'accord. Déjà, on sait de sources sûres qu'ils sont deux. On doit pouvoir passer par son plafond, je pense. Je suis pas formel, mais je pense. J'ai pas envie de faire ce saut sur cette corde. Je le sens pas. On va pas le faire. Allons-y. Je suis en train de réfléchir à comment on va pouvoir passer et que par où. Ou alors, va falloir s'inventer des excuses pour passer, parce qu'en fait, il a ça juste au-dessus de son... Juste au-dessus de son bural, il a ce gros merdier, là. Comment on va passer par là? Récupérer son sceptre. Il doit me manquer des éléments. Il faut que j'aille tuer plus de gens. J'ai pas de quoi, ouais, j'en ai qu'un. Tuer plus de gens. Cette porte est toujours fermée, inadmissible. Ah non. Bon. Ça y est, ça ne m'intéresse pas. Payer un crochet pour cette merde, pour des questions. Je suis passé pourtant par ici, la torche est rabattue et tout, j'ai oublié d'ouvrir la porte. Oui, j'ai oublié d'ouvrir la porte. Ah oui, c'était avec l'autre con là, ouais, je vois. Je vois très bien la situation. Merci. Je vois très bien la situation que nous sommes en train d'évoquer. Ok, là normalement pareil, tout le monde est mort. Et puis bonjour. Est mort. J'ai fait le tour des trois navires. Je viens duquel, moi, je sais même plus. Celui d'où je viens. Ça a l'air d'être celui-là. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Parce que la bouffe a été empoisonnée. Il n'y a pas de bouffe. Et je viens d'entendre marcher. Deux mecs à l'étage. J'ai pas fait l'étage.
J'ai pas fait la porte en face d'ailleurs. Avec ce col le train. Loin là-bas. Hein. Je pense que le mec que tu cherches est vraiment. Regarde un peu plus au bout. Mais dis-moi si tu trouves. J'ai encore une torche allumée d'ailleurs. Ça c'est mauvais signe. Allez mec, fais un effort, tu sais très bien que c'est que le vent. Les étages. Et voilà, tranquille, 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 tranquille. Voilà. Ok, LM, bonhomme. Un connard! Ouh, il y a 4 mecs là-haut. Au moins 4. Putain, ça quoi? Il y a du monde à liquider un peu. Moi j'ai rien contre après, hein. Attention, je suis pas un mec comme ça. Moi je pense que plus on est de mort, plus on est de mort quoi. Parcours par là. Pour toi très beaucoup ça. Hein. Pourquoi cette porte là est-elle fermée? Je suis passé par là 150 fois même. J'ai juste oublié d'ouvrir les portes. Oui, je suis dissipé. Faut dire, commencer à y avoir plus de portes que de murs, ça commence à être compliqué. Rien, pas un billou, rien que dalle. Oh les crevards. Paquet de mecs quand même là-haut. Hein. Du coup, il y a un petit paquet de mecs au taquet là-haut. Et j'ai plus de fléchettes. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le véritable drame. C'est-à-dire que j'aurais dû garder mes fléchettes pour ce coin-là. Résultat, j'en ai gardé aucune. Pression maximale.
Heureusement qu'il regarde bien fixement devant lui. Bon, là, normalement, je suis grillé 800%, mais bon. En fait, il faudrait que la vue d'ambre nous permette de géolocaliser un peu les bruits de pas des mecs quand ils marchent. Quand s'il est statique, tu le captes pas, mais s'il est pas statique, tu le captes, tu vois. Pas mal l'un l'autre, mais il y a une fenêtre négociable. Là, il y avait une deuxième fenêtre, d'accord, il se décale en ronde, okay, avant de se recaler. Mais là, vous êtes côte à côte, quoi, les mecs. LOL. LOL, comment je bosse? Quand est-ce que je bosse? Tout ça, tout ça. Moi, j'ai trouvé la solution. Oh, bouteille. Est-ce que je peux grid ma bouteille? Merci. Vous êtes bien aimable. Sous plafond, mais je sais pas comment je vais atteindre ce sceptre. Ça a pas l'air d'être possible depuis la porte. Enfin, c'est d'ailleurs impossible depuis la porte. Ça a pas l'air possible depuis le dessus, ni autour, par dessous. Comment j'accède à un truc par dessous, lol. T'es mort. Y'a pas de non-non.
Ça se discute pas, monsieur, hein, la mort. Y a pas de non, 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 s'il vous plaît, laissez-moi finir ma partie de pétanque, tout ça, non. Faux. Il doit rester deux mecs là-dedans. Ah oui, mais attendez, il me manque aussi ceux de la mission précédente, c'est pour ça que j'en ai... Je sais pas combien il y en a sur celle-là. Je pense que c'est l'avant-dernier acte sur les trois. Ici, dommage, pas été appréciable. Depuis l'armoire, on peut accéder à la poutre du dessus. Ça n'a pas l'air oufement utile cette histoire. Ça, c'est le couloir. Hein. Ah. D'autres choses, hein. Ouais, c'est le couloir. Visitons les extérieurs. Sors direct, pas de pitié. Pas de ça. Tu nous emmerdes, mec. On n'a pas le temps, on n'a pas de temps à perdre avec tes conneries. T'as pas peur avec tes conneries non plus. Bon, mon niveau hors de Clémence, il a fondu comme neige au soleil, c'est bizarre. Il a disparu du game. Il n'existe pas. Bon, il n'y a plus personne qui entend la porte, en tout cas, ça c'est bon signe. Ah, mais non, ça je suis full. Évidemment. Ah, il reste un mec. Un arbalétrier. Je vais épater avec une bouteille. Wouh! What is it? Ah ben, faux usage de four. Oh, les bras en mousse d'un gobelin, ça fait pas le taf, hein, je vous préviens. Si on vous dit si, si, c'est super, machin, non, non, c'est de la merde, c'est bras en mousse. Oh putain, puis alors, il grimpe pas à des endroits où il pourrait grimper 100 fois, ni loi, mais non, il a décidé que non. Ah ben, c'est la sortie, fin du level. Where did he go? Là où tu m'as laissé, mec. Couldn't find anything. Sblou!
vaisseau, voilà. Problème réglé, salut bonhomme. On n'a plus rien à se dire. Sabotons cela. Est-ce que quelque part la technique ne serait point de sonner l'alarme par exemple? All simply. Aussi simple que ça. Parce qu'en sonnant pas l'alarme, je fais pas sortir l'autre couillon de sa cachette. Le problème c'est que ça va me compter un déclenchement d'alarme. Et faire descendre mon niveau. Donc doit y avoir d'autres solutions dites alternatives. Pas. C'est encore plus bas. Pas de double sol. J'ai rien pour faire mon casse là. Genre si je voudrais passer, je pourrais même pas quoi. Bah si, je suis un connard. Excusez-moi. Fin du jeu. Get out. As you wish, sir. Grown even smaller, little mouse. The hell with you and your bullshit magic. A talking goblin, eh? Yeah, I can talk. Fuck you! Can you change into a sandwich? I skipped lunch. Your resistance is remarkable. Nothing personal. So you're using amber, are you? In fact, it is personal. What's going on? A goblin! He stole a scepter! Alarm! Alarm! I will find you, and I'll shove that scepter where the sun don't shine. Voilà, donc un bon jeu qui vous montre que les elfes, ils sont méchants. C'est-à-dire qu'ils sont pas gentils. Ce qui fait que c'est voilà, c'est vraiment des méchants quoi. Et pas du tout des gentils. Médaillon de voleur ici. Je suis en raté. Ah, non, faut payer.
suis même pas payé. Passons par ici. On va par là. Hop. Donc c'est bien ce qu'on avait vu, le cadavre dans l'armoire du mec qui a été tué. En fait, c'est l'elfe qui a commencé à gicler le boss. Donc voilà. En fait, la grosse blague en bas, voilà, c'est qu'en fait, tout le monde est mort. Et donc en fait, il n'y a plus de problème. Voilà, je peux courir. Je peux me raccrocher la vie comme ça. Bonjour. Bonjour. Et pour monter là, je passe par là. Ah, ah. Ah, c'était du pain. J'ai cru que c'était un petit bout de fer. Ok. Donc à retenir, les gobelins c'est sympa, les elfes c'est des ordures. Tous. Shapeshifting elf and a thief. Well, I hope that Haladrin will believe this. Alors succès déverrouillé, le sceptre mystérieux, intouchable, t'as vu quelque chose. Et cœur de désintoxication. Je pense que j'ai un peu liquidé tout le monde. Ben, je pense que c'est une bonne façon de finir une vidéo. Qui était très courte. Désolé, j'ai été assez silencieux pour me concentrer parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas de point de sauvegarde intermédiaire. C'est-à-dire que quand tu rates la mission, tu la recommences depuis le début. Il n'y a pas de point de sauvegarde au milieu. Ou presque. Ou presque. Parce que des fois, à première vue, il y en a, mais bon. Voilà. Donc, j'ai juste fait un or. Un or sur... Putain, il me manque, il en fallait quand même, j'en ai que 14 sur 20 quoi. J'en ai raté 6 des médaillons. Hein. Des jetons de voleurs. Bon bah sur ce, je vous remercie, c'était Knafanxor comme d'habitude Gaming pour Styx 2. Et je vous dis à la prochaine, ciao.